santé 2019-2020. Bienvenue aussi aux nombreuses personnes qui nous suivent en simultané en ligne, notamment les membres de l'unité d'éthique clinique de Sainte-Justine. Cette série de conférences est organisée grâce à un partenariat entre l'IRCM, l'Institut de recherche clinique de Montréal, et le Bureau de l'éthique clinique de l'Université de Montréal avec l'appui de la Fondation de l'IRCM. Pour votre information, il y a des attestations de participation qui peuvent être livrées grâce à la collaboration de l'École de santé publique de l'Université de Montréal et aussi avec l'École de l'éducation permanente de McGill. Amélie, qui soit en arrière, si jamais ça vous concerne, peut vous aider avec ces demandes-là. Je me nomme Éric Racine, je suis professeur titulaire de recherche ici à l'IRCM et à l'Université de Montréal, et aussi directeur de l'unité de recherche en éthique pragmatique de la santé, qui organise cette série de conférences, et j'ai le plaisir aujourd'hui de servir comme maître de cérémonie pour animer le panel de discussion qui ouvre la série de conférences. Donc, cette année, on propose une série de conférences sur le thème du dialogue. Et pour ouvrir ce thème, on a un fabuleux panel, à mon avis, et je vais les nommer en ordre d'apparition. On a M. Olivier Bernard, beaucoup mieux connu, je crois, sous le nom de pharmacien, de tous, ou à peu près. Mme Michèle Stanton-Jean, qui a été sous-ministre à la Santé au gouvernement fédéral et a occupé beaucoup d'autres fonctions aussi que je vais passer sous silence, et est présentement chercheur au CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Ensuite, Daniel Weinstock, qui est professeur titulaire, directeur de l'Institut de recherche sur les politiques sociales et de santé de l'Université McGill, c'est ça. Et j'ai eu le bonheur de l'avoir comme prof il y a 20 ans, en 1999. Ça ne nous rajeunit pas. Surtout moi. Et ensuite, Marie-Ève Boutillier, chef du Centre d'éthique au CIUS de Laval et prof adjointe d'éthique clinique au département de médecine familiale et d'urgence de l'Université de Montréal et que j'ai eu comme collègue au PhD il y a une quinzaine d'années ensemble. Donc, beaucoup de bon monde pour nous amener à réfléchir sur ce thème-là. Puis, je vais dire quelques mots avant d'introduire les questions pour les panélistes. Vous allez voir qu'on a trois ou quatre grandes questions sur lesquelles on va creuser. On va demander à chaque panéliste de se prononcer rapidement, une minute, plus ou moins. Je vais compter un peu quand même pour garder l'œil sur la table. Puis ensuite, on va demander aux panélistes de réagir un peu aux propos qu'ils ont entendus. Puis, si on a la chance, de prendre une ou deux questions de l'auditoire ensuite. Donc, pourquoi le thème du dialogue? Un peu peut-être mystérieux. Bien, comme vous le savez, notre système de santé au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde fait face à des grands défis, on pourrait dire des très grands défis. Je vais citer quelques exemples de défis. Les grandes orientations privilégiées en matière de santé, étant donné les ressources qui sont limitées. Aussi, de nos côtés, des quantités exponentielles de données probantes, à intégrer dans les soins quotidiens et dans les programmes de soins de santé. Enfin, je pourrais dire peut-être de prime abord, les patients, leur entourage souhaitent de plus en plus être informés et participer aussi aux décisions qui les concernent. Donc, dans ce contexte-là, comment est-ce que le système, ses acteurs, peuvent être à l'écoute des patients et des citoyens, tout en étant aussi à l'écoute de la science, s'il y a une tension ou non, pour en discuter? Est-ce qu'on devrait favoriser plus d'écoute mutuelle entre les professionnels de la santé et les citoyens? Et si oui, si vous pensez que c'est le cas, et est-ce qu'on doit promouvoir plus le dialogue? Si oui, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des expériences à partager? Donc, comme je mentionnais, on a quelques grandes questions pour nous lancer. On va y aller un peu en ordre de présentation qu'on a sur scène. Commencer avec M. Bernard, puis on a un micro que vous allez partager ensemble. Et la première question, c'est, bien, qu'est-ce que le dialogue et est-ce que ça a une place dans notre système de santé? Parce que j'ai fait un peu un argumentaire, l'apologie du dialogue, mais est-ce que ça a une place? Bonjour. Merci pour l'invitation. Je veux juste, avant de répondre à la question, je veux juste adresser l'éléphant dans la pièce.
Je suis la seule personne sur le panel qui n'est pas un expert de l'éthique ou de la communication en santé. Je ne vais pas prétendre l'être aujourd'hui. En fait, moi, la raison pourquoi je m'intéresse à ça, l'aspect de la communication, c'est que le dialogue, pour moi, c'est essentiel. Ce que j'essaie de faire, d'ailleurs, c'est de rejoindre les gens par des moyens un peu différents, autant au niveau du véhicule, donc en utilisant, par exemple, les réseaux sociaux, le web, les médias, etc., puis aussi avec des styles différents pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut aller chercher des gens peut-être qui ne se sentent pas justement rejoints ou avec qui on communique moins bien par l'entremise du système de santé. Donc, je pense que c'est un peu pour ça que je suis là, j'espère en tout cas, ou sinon c'est une erreur. Pour répondre à la question, pour moi, le dialogue, c'est un des aspects les plus importants en ce moment parce que je pense que le dialogue, en fait, il est en danger. Autant d'un côté, on voit que le grand public a une confiance élevée en la communauté scientifique. Donc ça, je pense que pour le moment, c'est bien. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il y a un clivage entre les professionnels de la santé, les scientifiques et le public, donc les patients. Il y a une sorte de fossé qui s'agrandit un peu. Moi, comment je me l'explique, c'est qu'on est passé un peu d'un mode où le professionnel de la santé était une sorte d'autorité indiscutable. Tu sais, le médecin dit une chose et tu n'avais pas moyen de savoir si c'était vrai ou pas, fait que tu l'écoutais. Alors qu'aujourd'hui, on est en présence d'une abondance, peut-être même d'une trop grande abondance d'informations. Ce qui fait qu'on assiste un peu à un mouvement où les gens ont plus autant de respect pour l'expertise comme si c'était le cas. Donc, c'est quoi la réponse à ça? Forcément qu'il doit y avoir un dialogue et forcément qu'on doit trouver des nouvelles façons de communiquer avec les gens. Puis c'est un des plus grands dangers qui nous guette, à mon avis, c'est de continuer à communiquer comme on le fait en ce moment. Et ça va, à mon avis, seulement faire en sorte que le fameux clivage ou le fossé dont je parlais, à mon avis, va continuer à s'agrandir. Bonjour. Moi, ça fait comme 35 ans que je travaille là-dessus. Et plus ça avance, plus je trouve ça complexe. Je voudrais en premier faire une différence entre la définition et l'application. Parce que moi, j'ai travaillé beaucoup dans les politiques publiques, en santé, en éducation des adultes et en éthique. Et souvent, les politiques s'élaborent avec des beaux principes que vous connaissez peut-être pour le dialogue, le respect, l'écoute de l'autre et toutes sortes de choses. On fait appel à la philosophie, à la sociologie, etc. Mais quand il faut mettre en œuvre, c'est là, selon moi, que le bât blesse. Parce que tout dépend de pourquoi vous le faites, le dialogue, que vous l'appeliez, participation, entretien, discussion, débat, partenariat. Tous ces mots-là ont des applications différentes si on veut faire ça correctement. Par exemple, je travaille actuellement sur un projet qui s'appelle « Engagement de la population ». Alors, c'est qui la population, c'est quoi, où est-ce qu'elle habite, c'est quoi son contexte économique, socio-économique, etc. Si on ne réfléchit pas et qu'on arrive avec un mot magique qui peut s'appeler participation, partenariat, et on essaie d'appliquer ça, ça ne marche pas. Donc, sa pertinence et sa définition, c'est différent, c'est deux choses différentes. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir, quand on veut parler de dialogue, qu'est-ce qu'on veut faire. Point. Je voudrais peut-être partir de là où Michel s'est arrêté, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on veut avec le dialogue quels sont ses buts. Et je crois que ses buts dans le système de santé, quand on le regarde du micro au macro, donc de la relation patient-médecin jusqu'aux décisions que l'on fait au niveau du système de santé, sont d'ordre différent. Pour faire une, comme on a dit, pour faire une distinction très, très, très à gros sabots, il y a des discussions qu'on doit avoir au niveau des valeurs pertinentes. On vient d'avoir une décision de la Cour d'appel du Québec sur l'extension
de la mort médicalement assistée. Il y a des questions de valeur dont les citoyens ne devraient pas être exclus, ni par des scientifiques, ni non plus par des juristes, là, parce que ce n'est pas juste une question juridique de savoir qui devrait et qui ne devrait pas avoir droit à la mort médicalement assistée. Il y a des questions de valeur et il y a des questions de limitation de ressources. Hein? On voudrait pouvoir faire tout avec notre système de santé, mais on n'a tout simplement pas les moyens de le faire. Certains voudraient réduire la question de savoir comment prendre des décisions dans un contexte de limitation de ressources à un simple exercice comptable. Et ça, ça me semble être une autre erreur. Ça donne lieu d'ailleurs historiquement à des résultats tout à fait aberrants quand ça a été essayé. Et donc, il me semble que c'est deux types de dialogues qu'il faut avoir sur deux types de thèmes différents avec des instrumentalisations différentes. Et j'en parlerai probablement plus quand le micro me reviendra. Alors, avec vos 35 ans, moi, ça me fait plaisir d'être votre aînée. Je vais parler avec plus de sagesse. Pas du tout gris dans les cheveux, mais... Quand on cherche, on trouve. Alors, donc, en fait, moi, je vais me situer, peut-être en complémentarité des co-panélistes, je vais me situer au niveau très micro hein, de l'éthique, le travail sur le terrain, le travail relationnel. Et effectivement, le dialogue veut dire complètement autre chose à ce niveau-là. Évidemment, le dialogue, ce qu'il veut dire à ce niveau relationnel, c'est davantage la compréhension mutuelle, c'est davantage la recherche de sens, c'est davantage la co-construction. Alors, on est plus dans ces... et effectivement, les obstacles sont aussi différents. Ils sont différents que lorsqu'on va parler d'application de politique au cas concret. On est plus dans les pressions du système, on est dans la détresse morale que peuvent vivre les intervenants. Donc, on fait face à d'autres défis au niveau micro. C'est parfois de rétablir des dialogues qui ont été interrompus, qui sont en rupture pour toutes sortes de raisons. Et quand, par exemple, lorsqu'on parle du partenariat patient, souvent je situe le travail des éthiciens en réparation de ce partenariat qui a été perdu parce qu'il y a eu une perte de sens, une perte de dialogue, une perte de compréhension mutuelle. Et je pense que le travail des éthiciens sur le terrain, c'est de raccommoder, c'est de refaire le sens, retrouver le sens qui était perdu. Alors, c'est à ce niveau-là que je veux peut-être contribuer aujourd'hui. D'accord, merci. Puis, comme ça a été mentionné, on a quatre panélistes avec des backgrounds très différents, professionnels de la santé, vulgarisateurs scientifiques, responsables, représentantes du Québec et autres fonctions publiques, profs d'éthique, éthiciennes cliniques. On a des backgrounds très variés. Je pense que c'est intéressant d'amorcer sur les défis, les différents niveaux de défis pour essayer de les partager. Puis là, je vous inviterais peut-être à réagir à ce que vous avez entendu. Est-ce qu'il y a des choses qui vous amènent à vouloir réagir? Non? Donc, on va voir si on a des questions. Oui, Daniel? Réagir à, puis préparez vos questions pendant ce temps. J'ai horreur des silences, donc je me lance, même si je ne sais pas exactement ce que je vais dire avant de le dire. Mais je pense qu'on a une bonne illustration. Bon, moi, ma formation et le niveau auquel je me suis le plus intéressé à la santé, c'est à un niveau plus macro, plus systémique, plus... je crois qu'entre ce dont on vient d'entendre parler, disons, la réinstallation du sens entre un patient et un médecin, et les discussions que l'on a ou que l'on n'a pas souvent sur les réformes de notre système de santé, pour utiliser un exemple qui me vient comme ça à l'esprit, je ne sais pas pourquoi... je pense qu'il faut éviter de parler. Le dialogue est pertinent du micro interindividuel jusqu'au macro choix sociétaux, mais ce n'est pas le même dialogue. Et l'instrumentaliser, le mettre en pratique, il faut faire attention. Et ce n'est pas parce que du monde parle qu'il y a du dialogue. Je crois qu'il faut penser à des mises en scène, des scénarios, des manières d'organiser le dialogue citoyen. Qui sont différentes et pertinentes aux différents contextes dans lesquels ils se situent dans le système de santé. Marie-Ève, préparez vos questions, je reviens. Par exemple, au niveau micro, ce qui est essentiel, c'est l'accueil. Je pense que s'il n'y a pas de place pour accueillir, entendre, laisser la place à cette parole-là, souvent les éthiciens, on va demander qu'ils créent des espaces sécuritaires pour laisser la parole se libérer, pour pouvoir finalement motiver l'échange entre les parties. Si on n'est pas capable de faire ça, si on n'est pas capable de donner ces conditions-là, ben le dialogue n'aura jamais lieu. Donc, on est vraiment dans des
conditions gagnantes bien différentes qu'à un niveau plus macro. Donc, l'accueil fondamental, si on n'a pas d'accueil, si on n'a pas d'espace de parole sécuritaire, ça sera impossible. Oui, moi, je peux dire quelque d'accord. chose. Je pense que c'est très important les points qu'on fait sur distinguer de quoi parle-t-on exactement. Parce que même si vous parlez de l'élaboration des politiques publiques et que vous discutez correctement avec la population, après, il faut dialoguer avec les ministres, avec les décideurs publics, ce qui est une toute autre histoire. Donc, exactement savoir, moi je dis souvent ça à mes enfants, regarde à quelle place que tu es, avec qui tu es en contact et tout ça. Alors, le dialogue, c'est complexe. Par exemple, moi, j'ai présidé le comité qui a fait à Paris, à l'UNESCO, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, un comité de 35 personnes, 35 pays différents. Là, vous voyez, le philosophe, quand il parlait pas de la même façon que le philosophe du Japon. Alors, tous ces éléments-là sont extrêmement importants, et à ce moment-là, l'écoute est extrêmement importante. Hein, parce qu'il y avait même des gens, des philosophes, qui intervenaient venant d'autres pays, même en français, mais des fois, je ne comprenais pas exactement ce qu'ils voulaient dire. Alors, être à l'écoute, ça, c'est la base. Par exemple, quand j'étais au ministère de la Santé, on a fait des rencontres sur les médicaments, le système de santé, machin, avec des groupes, puis parfois, les exécutifs qui m'accompagnaient disaient, écoutez, je pense que les gens ont des problèmes, ils ne comprennent pas ce qu'on fait, je pense que c'est nous autres qui avons des problèmes, parce qu'on n'est pas capable de bien leur expliquer. Je travaille dans des groupes d'accès à la justice, c'est la même chose. Il y a plein de gens qui sont là, le barreau, l'administratif, machin, puis c'est drôle parce que on dirait que les gens ne nous téléphonent pas ou ils ne comprennent pas, mais c'est vous autres qui avez le problème, là. Je veux dire, tu sais, les choses de base, les personnes âgées, quand il faut qu'ils fassent 1, 2, 3, 4, 5, puis sous 1, 2, 3, 4, 5, ils ne comprennent pas. Alors, tout cet élément de... c'est très... pour moi, le dialogue, on en parle, ça devient de plus en plus complexe. Comme j'ai dit tantôt, je ne suis pas très fort dans les définitions. Là, fait que je ne suis pas exactement sûr c'est quoi macro et micro, mais je peux vous parler de, mettons, juste le niveau. Moi, par exemple, je suis pharmacien de formation, je travaille encore comme pharmacien. Ça doit être le niveau lilliputien, là, où c'est encore plus bas que micro, right? Non? Je ne suis pas sûr, en tout cas, mais... Ça, c'est nano. C'est nano, voilà, OK, merci, excellent. Mais en fait, c'est Marie-Ève, hein, c'est ça? Parce que tu disais qu'il faut mettre en place un environnement, un cadre qui est propice à l'écoute, etc. Puis moi, ça m'a toujours fasciné que les sujets dont on discute aujourd'hui, c'est même pas quelque chose qui est présent vraiment dans la formation en santé. Je veux dire, on est à l'université, puis on ne parle jamais de ça. On donne des cours sur comment bien communiquer, puis après ça, ben tu sais, moi, puis là, je m'avance un peu, mais moi, je le sais parce que je coach des fois des stagiaires, puis... ils vont shooter un monologue de 5 minutes à la personne et ils font comme « j'ai dit toute l'information », tu sais. Fait que j'ai l'impression que ce discours-là ou le sujet qu'on aborde aujourd'hui, le dialogue, l'écoute, l'empathie, c'est même pas quelque chose qu'on aborde à la base quand on forme les gens qui vont être sur le terrain. Donc, déjà pour moi, il y a un problème, là. Puis le problème, il est aussi dans ce qu'on appelle le curriculum caché. Hein? Les profs, oui, on aborde, on montre comment bien communiquer, on montre tout ça, puis après ça, c'est... Écoutez ce que je dis, puis faites pas ce que je fais, hein, dans le fond. Il y a ce qui est dit dans la parole, puis après, l'exemple qu'on donne dans les milieux de soins, qui peut venir déprogrammer tout ce qu'on a fait, finalement. Je me tourne vers l'auditoire, voir s'il y a des questions, des commentaires. Oui? Ici. Donc, je vais commencer de ce côté-ci. On va aller. Bonjour. Alors, on a parlé d'un éléphant dans la pièce. Pour moi, il y en a un deuxième, c'est au niveau de l'inégalité des pouvoirs entre les interlocuteurs. Donc, tout le monde est d'accord avec le fait que la discussion, ça va de soi, c'est important. Maintenant, on est tous d'accord aussi pour dire que la voix du patient n'a pas la même portée que celle du médecin. Même chose, celle du médecin n'a pas la même portée que celle du médecin spécialiste, par exemple. Et dans ce contexte-là, de quelle façon est-ce possible d'établir une réelle discussion où il y a inégalité des pouvoirs? Merci. Je vais peut-être me lancer. Je me suis rendu compte que comme on m'a mis un truc, j'ai pas besoin d'attraper le micro, donc je peux parler quand je veux. C'est génial. On va le savoir pour la prochaine fois. Je pense que c'est un point tout à fait, c'est un point tout à fait important. Et là, vraiment, qui passe du nano au macro, là, on oublie de tenir compte très souvent dans des gestes très concrets de la manière par laquelle les inégalités de pouvoir et les inégalités de pouvoir, pas seulement de pouvoir institutionnel, mais le pouvoir que représente la science. Là. Il y en a un qui est détenteur de la science et l'autre ne l'est pas, est inscrit même dans les,
moi, je, quand, dans les contextes délibératifs dans lesquels j'ai participé, j'ai appris à beaucoup tenir compte des espaces physiques dans lesquels le dialogue est supposé avoir lieu. Et dans quelle mesure est-ce qu'ils reconduisent ou ne reconduisent pas les inégalités entre les acteurs. Même si on fait des choses pour dire, écoutez, là, avant de rentrer dans le dialogue, on prend pour acquis qu'on est tous égaux, médecins, patients, etc. Et puis là, on rentre dans un espace où tout dit le contraire. Hein? Alors, bon, pour ce qui est d'un médecin et d'un patient, j'ai pas besoin dans cette salle là, de faire un topo de 20 minutes là, pour qu'on comprenne comment les espaces cliniques sont souvent emprunts et on a beau avoir les meilleures volontés du monde, cet espace-là ne tiendra pas ne facilitera pas, ne permettra pas une réelle égalité de discours. Même dans le contexte de la rencontre avec le pharmacien, j'ai vu dans plusieurs pays, et je me rends compte que ce n'est pas la même chose d'un pays à l'autre, la manière par laquelle cet espace de dialogue qui est nécessaire là, entre une personne qui a des questions là, pour un pharmacien. Moi, jamais ici m'est-il arrivé de me dire, écoutez, vos questions, il faudrait qu'on passe à mon petit bureau à côté du dispensaire, là, ça se fait avec deux, trois personnes qui sont derrière, qui font comme si elles n'écoutaient pas, mais qui entendent tout ce qu'on dit. Alors qu'en Angleterre, où j'ai vécu 4 ans, le dialogue avec le pharmacien se fait dans un contexte où le respect de la vie privée est respecté. Et là, le respect de la vie privée et le pouvoir, c'est quand même des choses très, très, très interreliées. Donc, tenir compte, et on pourrait dire la même chose à propos des espaces délibératifs qu'on essaye de créer parfois pour discuter de questions plus macro, là, où la même chose se reproduit. Donc, tenir compte des espaces très physiques dans lesquels on tente parfois, et on échoue, d'installer un dialogue égalitaire. Regardez, déjà ici, là, il y a de la discrimination, oui. Parce qu'ils ont donné des micros aux hommes. On n'a pas encore trouvé le moyen de régler cette question. En fait, Michel, on le tient fort et on ne le lâche pas. On ne le lâche pas. C'est vrai en plus, hein? Oui, c'est ça. Je voudrais revenir sur votre question de pouvoir. Je voudrais te mansplainer ça un instant, là, pour... Mais je trouve que c'est fondamental. Il y a là, le pouvoir qu'on fasse de tout ça. Alors, ce que je trouve aussi important, ce que les femmes ont beaucoup fait, c'est d'amener ce fameux, en éthique, le fameux concept du « care ». C'est-à-dire, c'est un petit peu basé sur l'écoute aussi. Parce que, fondamentalement, à la base, c'était ça, que les médecins avaient le pouvoir. Puis à cette époque, majoritairement, c'était des hommes. Donc, c'est une question fondamentale. C'est toujours là. On ne peut pas dire que c'est très difficile. Mais d'autre part, je veux quand même souligner qu'il y a des efforts qui sont faits actuellement avec les actions de partenariat patient médecin où ils essaient vraiment de creuser l'affaire. Là, parce que c'est évident. Puis pour ce qui est de la science aussi, c'est vrai qu'aussi dans notre monde de performance, on tient souvent compte dans les évaluations du quantitatif. Hein? J'ai fait tant de rencontres, j'ai écouté tant de monde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis on ne tient pas compte du qualitatif. Et les gens, ce que je connais, ont besoin de qualitatif. Ils ont besoin parfois de même de se faire dire ce qu'ils ne veulent pas entendre, mais c'est de la façon que c'est dit, la façon que c'est transmis. Le niveau d'écoute, la personne va dire, bien, c'est peut-être pas ce que je voulais, mais j'ai compris quelque chose. Là, t'sais, ça, c'est la littératie, toutes ces histoires-là. Oui, Nadia? Oui, bien, pour faire du pouce sur ce que Michel dit, bon, oui, les rapports de pouvoir, oui, les conditions, oui, aussi les mots pour le dire. Hein? Parce qu'effectivement, c'est facile de se réfugier derrière la technique. Hein, c'est facile. Voulez-vous qu'on vous dialyse? Voulez-vous qu'on vous réanime? Voulez-vous que si? Voulez-vous que ça? Et là, on n'est plus dans le caring. On est dans une offre contractuelle de soins entre un exécutant médecin puis un patient, un client. Hein, je vais le mettre comme ça. Si on reformule ces questions-là, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Si le temps vous manque, qu'est-ce que vous voulez accomplir? C'est quoi vos objectifs? On est complètement dans autre chose, puis on va aller chercher d'autres matériels. Alors, aussi, les mots pour le dire, à mon avis, font toute la différence. Est-ce qu'on passe peut-être à... Il y avait une question. Une autre question? J'ai l'immense privilège d'essayer tous les jours d'introduire dans... Le lieu de haut savoir qu'est l'INES, extrêmement technique et scientifique, l'organisme d'aide de la décision gouvernementale en santé. J'ai l'immense honneur de travailler à essayer d'intégrer la perspective patient, usager, proche aidant, citoyenne et de leurs représentants dans nos travaux.
Puis, on rencontre plein de défis là, pour faire ça. Mais un des défis qui me préoccupe actuellement, c'est celui de la diversité. Au-delà des défis là, avec les différents lieux de pouvoir, c'est une des questions qui se pose, c'est est-ce que tous les citoyens ou les patients, usagers et proches ont le droit de participer à ce dialogue-là? Est-ce que tous sont qualifiés dans un courant où le partenariat patient nous amène à sélectionner les patients qui vont être capables d'entrer en dialogue avec l'interlocuteur qui sera en face, à quelque niveau que ce soit? Et comment on fait pour intégrer tout le monde, finalement, dans ce dialogue-là? Est-ce qu'on a des réactions? Moi, je pense que ça revient aussi à la préparation aussi, ou à ce qui se fait, en tout cas, pour ce qui concerne des groupes, à ce qui se fait avant, pour voir, par exemple, juste dans le groupe où je participe sur l'engagement de la population, on a eu des longues discussions sur c'est quoi un citoyen, est-ce que tout le monde est considéré comme des citoyens, est-ce qu'on devrait vraiment mettre le mot citoyen ou personne ou participant, des choses comme ça, pour l'idée étant d'équiper les gens dans les CIUS, pour ne pas se lancer dans des choses sans avoir examiné toutes les dimensions. Donc ça, c'en est une extrêmement importante et complexe aussi. Parce que là, tu fais face à des cultures différentes, à des histoires différentes, à des bagages sociologiques différents. Donc, moi, je trouve que c'est souvent, on revient à ça, mais c'est souvent, c'est par l'éducation, la discussion entre experts, la discussion entre chercheurs et éthiciens que les choses, l'examen de cas, que les choses vont se clarifier pour une dimension comme celle-là. C'est là encore où le contexte est important. Je crois qu'au niveau clinique, il ne peut pas y avoir une rencontre clinique qui se fait sans dialogue, quand on est donc à ce niveau-là. Bon, quand on rentre dans le genre de questions qui, moi, m'a intéressé dans ma carrière, là, ou plus des choix sociétaux au niveau du système de santé, ben, par définition, on ne peut pas tous être là. On ne peut pas tous être là. Fait qu'il faut trouver des manières. La littérature, aussi bien scientifique, est pleine de technologies qu'on a créées, là, de technologies au sens large du terme, je n'entends pas des technologies scientifiques, pour essayer de créer des micro-publics, hein, des espèces de publics représentatifs où un groupe de personnes qui est gérable pour avoir une discussion, mais qui est représentatif quand même de la population, va s'attaquer de manière organisée avec des facilitateurs, ce qui pose des problèmes, les facilitateurs, là, on revient à la question du pouvoir, mais disons qu'on peut passer à travers, avoir des dialogues sur des questions épineuses où on sait que, d'entrée de jeu, il risque d'y avoir des forts désaccords. Encore une fois, pensons à la mort médicalement assistée. Hein? Et là, la question de la représentativité me semble essentielle pour que les gens qui regardent le résultat de ces consultations puissent se dire, ben, je n'étais pas là, mais quelqu'un comme moi était là, puis je sens que mon point de vue, il a été peut-être pas accepté, là, mais il a été écouté. Hein? Et posez-vous la question, je pense que la poser, c'est y répondre. Là. Au Québec, on est fort pour consulter, mais on n'est pas nécessairement fort pour consulter d'une manière qui tient compte vraiment de tous les points de vue. Posez-vous la question en rejouant un peu dans votre tête là, les exercices consultatifs auxquels on s'est livré. En santé et au-delà, est-ce que les parties prenantes, les gens qui vont être affectés par les grandes décisions que l'on prend, est-ce qu'elles étaient toujours, ces personnes-là, présentes dans le débat? Je pense que malheureusement, trop souvent, la réponse est non. Donc, tout est dans l'architecture des espèces de micro-publics qu'on tente de créer pour pallier au problème du fait qu'on ne peut pas tous être là en même temps. Vous êtes à l'INES, hein, c'est ça? Moi, je suis tellement un fan de l'INES, là, puis... Je parle de vous. Ben, c'est vraiment... C'est gentil, mais... Là, on n'est pas là pour s'inonder de compliments, quand même. Là. Mais sérieusement, vous êtes vraiment des rock stars pour moi, mais là, c'est pas pour ça que je dis ça, c'est que... souvent, j'ai l'impression que l'INES a un peu le mauvais rôle, c'est-à-dire que vous allez être appelé à intervenir dans des situations où vous devez donner une sorte de dernier mot sur certaines questions. Puis moi, il y a des dossiers qui m'intéressent particulièrement. J'en nomme un, par exemple, le dossier de la maladie de Lyme, où il y a énormément de controverses. On mandate l'INES pour arriver avec un message de santé publique qui est supposé mettre fin à une espèce de simili-controverse. Et là, je me mets à votre place. Puis moi, pour moi, là, j'ai tellement hâte là, à votre rapport. Là, genre, je me réveille la nuit pour avoir hâte que le rapport sorte. Mais en même temps, je suis pas capable de m'empêcher de me dire que quand le rapport va sortir, il y a certaines personnes qui vont avoir l'impression qu'on va leur enfoncer le message dans la gorge de force. Et là, la question pour moi, c'est OK, fait que là j'ai bien hâte au rapport de l'INES, il faut que je me calme les nerfs. Il faut trouver le moyen. Comment est-ce qu'on va être capable d'expliquer maintenant aux gens, un, qu'est-ce que c'est l'INES? C'est quoi leur rôle? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent avec ces conclusions-là? Pourquoi on leur ferait confiance? Et ça, c'est complexe, en maudit, puis souvent, j'ai l'impression, puis je pense qu'on va y revenir plus tard, mais moi, j'ai l'impression que souvent,
un des obstacles ou une des limites au dialogue, c'est un manque de compréhension du rôle de chaque intervenant, tu sais, des professionnels de la santé. C'est quoi le rôle d'un professionnel de la santé? C'est-tu de prendre des décisions à la place des gens? L'INES, c'est quoi leur rôle? Leur rôle, c'est-tu de mettre des barrières pour imposer un pouvoir gouvernemental, tu sais? Donc, bonne chance avec ça. On va passer à une dernière question pour cette ronde-là. On va revenir avec d'autres questions. Là, c'est... j'ai plus envie de poser une question parce que j'ai une réponse. Et c'est intéressant d'avoir attendu parce que je travaille depuis 25 ans sur l'asymétrie de pouvoir, depuis mon bac en art-thérapie, donc ça, c'est plus petit que nano encore, comme pouvoir dans le système, oui. Mais c'est intéressant parce qu'on a la baguette magique de la créativité, donc je ne suis pas inquiète. Alors là, ma question au départ, c'était l'art-thérapie, art-therapy and the concept of blackness. Puis là, je le dis en anglais parce que ça a été écrit en anglais, puis ça introduit la langue. Qui parle? Et cette thèse, c'était de laisser parler les patients. Et même, en fait, comme art-thérapeute, ils parlent. Ce n'est pas question-réponse, parce qu'ils font les images. Et nous, on suit. Et c'est eux qui ont le volant, si pas plus de pouvoir. Et donc, ça nous ramène à, j'aurais dit, un troisième éléphant, mais non, je vais dire une souris. Parce que c'est... Dans le dialogue, qui parle? C'est les gens. Oui, on fait parler les livres, les textes, les théories, etc. Mais c'est vous qui parlez. On a donné les micros à ceux qui portaient du noir. Si vous aviez porté du noir aujourd'hui, vous auriez eu un micro. C'est rare, mais c'est comme ça aujourd'hui. Donc, c'est arbitraire, finalement. Mais qui parle? Et donc, il y a pas de patient ici. Mais ça, c'est un éléphant. Parce que comment je sais que vous n'êtes pas patient? Est-ce que vous pouvez parler du point de vue humain? C'est l'humain qui parle. Dans le dialogue, ce n'est pas des machines. Si je lis, oui. Mais dans ce dialogue, est-ce que vous allez oser ou est-ce que vous allez avoir envie de vous asseoir puis de parler dans cette position-là de patient? J'imagine que vous avez cette expérience. Et donc, ce serait une façon de défaire cette asymétrie, puis d'amener la voix du patient. Moi, je le fais tout le temps. C'est-à-dire, moi, quand je suis thérapeute, j'ai un certain dialogue, mais quand je suis maman et que j'accouche, 4 fois au moins, etc., donc là, j'ai un autre dialogue. Mais moi, ma voix change parce que ma position change. Mais je m'assois, je veux dire, c'est le plus gros oxymoron. Il n'y a pas de... Sciences humaines, c'est un oxymoron. mon premier bac, c'était en biologie, puis deuxième en beaux-arts, puis qui a accumulé avec la maîtrise en art-thérapie, qui ramène le tout. Mais c'est de porter ses chapeaux de façon holistique et de ne pas mettre un de côté, ni une voix de côté, quand on... Moi, c'est ça, je peux parler comme maman, comme patiente, et comme experte, et comme... aspirante au doctorat, aussi. Etc. Allez-y. Ouais. Marie-Ève, tu veux réagir? Ben, ce que vous amenez, la question de entendre la voix du patient, c'est entendre la voix du patient, entendre la voix aussi de l'intervenant qui a aussi son histoire. Les éthiciens, on utilise beaucoup l'idée de la narrativité. Donc, on veut que les gens se racontent. Puis très souvent, c'est comme ça qu'on va peut-être contourner certains biais. Hein? La personne arrive, bon, il y a des choses visibles, il y a des choses moins visibles, mais ce qui nous intéresse, c'est l'histoire, comment la personne se raconte. Puis très souvent, quand on va amorcer un dialogue entre les différentes personnes impliquées, racontez-moi comment vous voyez l'histoire. Puis évidemment, tout dépendant qui raconte, l'histoire ne sera pas racontée de la même façon. Puis nous, quand on reçoit des demandes de consultation, l'équipe nous dit « Oh mon Dieu, ça c'est un patient difficile, il n'écoute rien de ce qu'on dit, ta-ta-ta, ta-ta-ta. » Ensuite, on parle avec la famille, ah puis là c'est une toute autre histoire. Ils nous racontent leur expérience. Donc, voyez-vous, c'est essentiel de passer par ce chemin-là. La question de la narrativité, de se raconter, c'est fondamental. Moi, je donne de la formation continue, en fait, aux pharmaciens, aux médecins, etc., des fois, sur des techniques de communication qui viennent de la littérature, mais je pense que
la plus grosse partie de ma conférence, c'est ce que moi j'ai vécu comme malade ou en accompagnant des personnes malades. Puis, c'est plate à dire, là, mais je pense qu'il faut, être passé par le système de santé pour comprendre ce qui marche moins bien. Puis, il faut aussi s'être fait dire des affaires qui n'ont pas de bon sens pour savoir comment on n'aime pas se faire traiter et comment on veut ensuite s'adresser à quelqu'un. Puis, tu sais, par exemple, moi, j'ai été en processus de fertilité avec ma conjointe pendant quelques années. Puis, les choses qu'on se faisait dire de professionnels de la santé, c'était horrible. Et ça a tellement façonné, ça a tellement modifié ma façon d'être un pharmacien après, tu sais, de dire à quelqu'un, ben non, l'effet secondaire que tu me décris en ce moment, j'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce que je m'en fous que tu n'aies jamais vu ça? Ça change quoi? Tu sais, ou, ah oui, ça te fait mal à camper avec telle aiguille. Moi, mais sinon, ce calibre-là, d'habitude, les gens, ils tolèrent bien. Mais je m'en fous de ça. Tu n'es pas en train d'écouter ce que je te dis en ce moment. Fait qu'il y a une sorte d'exercice d'humilité, malheureusement, qui n'est pas encore souvent fait. Puis, je suis obligé de revenir à la formation des professionnels de la santé. Ça devrait faire partie de notre formation, tu sais. Et ça, ce n'est pas fait en ce moment. Fait qu'on n'est pas vraiment à l'écoute parce qu'on ne l'a pas vécu nous-mêmes souvent. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Merci. Et merci. Donc, j'ai laissé un peu les choses aller parce que je trouvais qu'on avait besoin d'un temps de parole puis pour avancer un peu puis explorer. Je vais essayer de combiner deux questions qu'on avait. Je vais vous laisser choisir celle à laquelle vous voulez répondre individuellement. On avait une question sur quels sont les défis du dialogue dans un contexte où on a beaucoup de connaissances scientifiques de générer, où le public, les patients ont des moyens ou non de se faire écouter. Puis on a aussi la question des limites du dialogue aussi. Puis j'aimerais vous inviter à prendre ce que vous voulez, les limites ou les défis, puis nous en parler rapidement, s'il vous plaît. Allez-y. Ouais. Bien, je pense qu'on a évoqué quand même plusieurs. Je veux dire, en fait, la première question à se demander, c'est à quelle place qu'on est, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut, à quoi on veut arriver. Est-ce qu'on est dans un dialogue singulier, un dialogue public, un dialogue de gouvernance, un dialogue de politique publique? Bon, il y a des choses, je pense qu'on a évoqué plusieurs, qui sont toujours là. Le rapport de pouvoir est toujours là. Le rapport de sexe ou de diversité est toujours là. Alors, l'élément qu'on a amené, contexte, établir le contexte est très important. La formation, la reformation, c'est un des défis, parce que, comme l'évoquait Olivier, souvent, la formation qui est nécessaire n'est pas donnée pendant les études, mais ça va plus loin que ça, parce que souvent, la formation donnée pendant les études, on l'oublie. Mais c'est souvent quand on arrive dans notre milieu de travail et qu'on fait face à des questions que ces éléments-là reviennent et que là, ça va être travailler avec des histoires de cons, on va travailler avec des groupes. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que les formations données, par exemple en philosophie, quand vous êtes étudiant en médecine et que vous pensez juste au salaire que vous allez faire, la philosophie, ça ne vous intéresse pas beaucoup. Mais quand après, vous êtes dans une situation à l'hôpital où vous prenez les décisions que Marie-Ève décrit, bien, c'est là que ça revient. Donc, cette idée de moi, j'ai une maîtrise en éducation des adultes, je travaille beaucoup en éducation des adultes, l'idée que tu disais, que c'est souvent parce qu'ils vivent que les gens comprennent une situation. Le médecin qui a un cancer, tout à coup, il comprend ce que ça veut dire d'être à l'hôpital, d'être énervé, de se rappeler ce que l'autre médecin a dit. Donc, ce vécu est très important dans toutes les situations aussi. Il faut tenir compte de ça quand on participe à n'importe quel dialogue auquel on veut participer, ou on est appelé à participer. Les limites et les défis. Oui, j'ai envie de réagir à quelque chose que tu as dit, là. Ouais. Mais c'est pas strictement la question. Moi, le hasard un peu a fait que ma carrière m'a mené à enseigner dans des écoles professionnelles. Je suis philosophe de formation, là, puis j'ai travaillé pendant presque 20 ans dans un département de philosophie. Mais bon, j'ai été responsable, c'est le petit dernier qui était arrivé il y a à peu près 5 ans, je pense, quand je suis arrivé à l'Université de Montréal. Il y a à peu près 25 ans quand je suis arrivé à l'Université de Montréal. La faculté de médecine avait demandé un cours, puis c'est moi qui, petit dernier, avait hérité du mandat, va enseigner aux médecins. Mes collègues étaient terrifiés à l'idée d'enseigner aux médecins, puis moi aussi je l'étais. Ça a été, ça a été transformateur pour moi, parce que ils avaient une telle, au contraire, je les sentais tellement anxieux. Et les avocats que j'enseigne maintenant à une faculté de droit,
c'est pas que les philosophes vont pas avoir une vraie vie, là, mais les jeunes, là, qui souvent ont 20 ans, là, ils arrivent à affecter le métier, ils ont 19-20 ans, ils sont encore des enfants. J'ai un fils de 19 ans maintenant, puis ça me remet tout en place, là, mon Dieu, s'il avait décidé de faire médecine, il serait là, là, maintenant. L'anxiété de se dire, mon Dieu, bientôt, là, bientôt, demain, je vais avoir à composer avec des gens qui doivent prendre des décisions de vie et de mort, là, tout ça. Cette anxiété, la demande, moi, je les trouvais friands de ce que j'avais à leur apporter. Puis là, j'ai jamais entendu un étudiant. En tout cas, j'avais l'impression que c'était vraiment quelque chose qui... on aurait pu en faire plus. Et même là, l'apprentissage du dialogue n'était pas vraiment dans mon cours. Là. C'était plus, voici des outils avec lesquels vous pouvez penser les situations dans lesquelles vous vous trouvez, mais pas nécessairement, voici comment. C'est maintenant que je voudrais retourner en arrière, redonner le cours, parce qu'il y a un art de la communication, il y a un art de la mise en scène, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, là, d'une discussion qui va être féconde versus une discussion où tu vas juste reproduire et reconduire toutes les inégalités que je n'aurais pas appris parce que je n'en étais pas conscient, mais je pense que ça devrait vraiment faire partie de... J'ai répondu ni à l'une question ni à l'autre, là, parce que... Je m'en rends compte, hein, je vais revenir. Le dialogue je vais revenir. À ce que disait Michel, mais... D'où l'utilité des philosophes. Je tenais à bien les questions, je tenais à le dire. Non, mais c'est vrai, parce que moi, j'ai une petite fille, parce que mes enfants, moi, ils n'ont pas 30 ans, ils ont 40 puis 45 ans. J'ai une petite fille qui s'en va en philosophie à l'université. Puis mon fils m'a appelé, il m'a dit, écoute, elle est bonne en sciences pures, tu vas s'en va en philosophie, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, c'est extraordinaire. Elle va apprendre à penser, elle va développer son esprit critique, elle va apprendre, pas seulement à chercher des réponses, mais à poser des questions. Voilà, mon hommage aux philosophes. Voilà. C'est là où on devait en arriver aujourd'hui, là, on comprend que tout était arrangé par les gars des vues pour qu'on en arrive à cette conclusion. Et la première chose que Daniel Malstock m'a dit, parce qu'il travaillait à l'Université de Montréal, m'a donné, c'était à l'étage plus haut que moi, je le fais venir, j'ai dit que mon ordinateur ne marche pas, il jette-les par la fenêtre. J'ai dit ça? Oui. Marie-Ève, est-ce que tu veux réagir? Oui, ben, en s'assurant qu'il n'y avait personne en dessous, là, je pense que j'ai dit ça. Ben, moi, j'aimerais parler des limites, hein, des limites de ce Vas-y. Dialogue, parce que je pense que, ben, un autre, on a parlé de souris, d'éléphant dans la pièce, moi, je dirais un dinosaure là, dans la pièce, c'est la mort. Hein, je pense que parler de la mort, c'est pas le sujet le plus intéressant, c'est pas le sujet le plus glamour. Il y a personne qui a le goût de partir à courir et parler de la mort. On a plutôt partir à courir pour pas en parler, justement. Donc ça fait partie des grandes limites. Puis ça fait partie aussi des difficultés à établir certaines limites et certaines attentes réalistes par rapport à ce que la médecine peut faire, ce que la médecine devrait faire. Alors ça, je pense que ça fait partie définitivement des problématiques. Je vais m'arrêter. Oui, on reviendra si on a un peu de temps ou il y a des questions pour y revenir, parce qu'on a eu des débats aussi sur ces sujets-là depuis quelques années. Bien, après avoir une réponse à aucune des deux questions, je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps, puis comme ça va faire différent. Mais en fait... Bien, je reviens à quelque chose que j'avais mentionné tantôt. Moi, souvent, ce que j'observe, c'est un manque de compréhension du rôle des différents intervenants, etc. Puis, dans le fond, un des problèmes, c'est que dans les questions qu'on nous avait posées, on nous disait, est-ce qu'on laisse trop de place aux connaissances scientifiques au profit des valeurs? Moi, je me disais, mais pourquoi? Est-ce que les deux sont en compétition, exactement? Ou il y a quelque chose là-dedans qui me dérangeait parce que je me dis, il me semble que quand tu consultes un professionnel de la santé ou quand tu écoutes une autorité scientifique, tu t'attends, tu accordes un niveau de confiance à ces personnes-là au niveau scientifique et tu n'es pas supposé être en train de compromettre tes valeurs en faisant ça. Moi, je l'observe souvent, c'est que à cause que, encore là, je m'excuse, mais à cause un peu de notre formation, je pense que quand on termine nos études, on a un peu un syndrome de l'expert. Donc, on a l'impression, j'ai un gros bagage de connaissances et mon rôle, c'est de pitcher ce bagage de connaissances-là sur la personne. Donc, les gens, finalement, ne devraient pas se sentir, ils devraient pas se sentir menacés dans leurs valeurs là-dedans. C'est peut-être juste dans la façon qu'on s'y prend, qui n'est pas appropriée. Puis, le danger ou en fait, je ne sais plus comment vous disiez ça, la limite, c'est que des fois, peut-être qu'on donne justement la parole à des gens sur des enjeux qui ne relèvent pas d'eux. Puis j'ai un exemple, je pense que c'est peut-être un peu pour ça que j'ai été invité, je ne suis pas sûr, mais tu sais, on l'a vu récemment, tu sais, des gens qui sollicitent qu'on fasse, par exemple, une commission parlementaire sur comment des médecins devraient traiter telle maladie avec tel traitement. Là, pour moi, ça, c'est une limite claire. C'est comme, attends, pourquoi est-ce qu'on va là?
pour moi, ça, c'est un problème où on ne reconnaît pas la responsabilité de chaque personne. T'sais, à un moment donné, il y a des scientifiques et des professionnels de la santé, et eux sont là pour donner l'état des connaissances scientifiques actuelles. Après, les valeurs des gens, leurs choix, ça, c'est... Pour moi, les deux ne sont pas en contradiction, mais il ne faut pas demander à des gens de, non plus de se positionner nécessairement sur des enjeux scientifiques. Moi, je trouve qu'il y a vraiment là le problème, des fois, c'est qu'il y a comme un flou entre et c'est quoi les données probantes, c'est quoi les opinions, c'est quoi les anecdotes, c'est quoi les valeurs. J'ai l'impression que tout ça peut coexister, puis c'est peut-être ça le problème en ce moment, c'est qu'on ne donne pas nécessairement la parole aux gens sur les bonnes choses. Fait que pour moi, ça, c'est une limite qui est quand même importante. On va avoir des réactions, puis après, il y a une, deux questions. Ouais. On va voir si on peut en prendre plus que deux. Puisque j'ai répondu à zéro question parce que je voulais être bon participant dans un dialogue puis répondre, je vais en dire un autre. D'ailleurs, je voudrais dire qu'au départ, là, que mon présupposé, c'est que tout ce que tu viens de dire est vrai. Et donc, ça, c'est comme l'a priori à l'intérieur duquel tout ce que je vais dire va se situer. Et c'est peut-être là où l'avocat du diable se trouve, il y a des questions sur lesquelles il n'y a pas lieu de délibérer comme si... Mais une fois que le savoir scientifique a fait sa job, il en reste quand même pas mal à discuter. Ouais. Et moi, je veux dire, une autre limite que je ressens moi-même comme participant parfois dans des délibérations, puis là, je voudrais faire un éloge d'un genre d'acteur dans notre système qu'on n'a pas souvent tendance à lancer des éloges, ce sont nos politiciens, quand ils font bien leur job. C'est pas toujours, pour la raison suivante. Il y a une limite qui est que, quand je reviens toujours au même exemple, parce que c'est un exemple dans lequel j'ai été très impliqué ces dernières années, celui des balises à poser à la mort médicalement assistée. Hein, est-ce que ça devrait être pour telle maladie, ou etc. On se met dans une position de délibération, de discussion avec du monde qui ne sont pas d'accord avec nous. Et on a toujours, peut-être que c'est une déformation professionnelle du philosophe, qu'on va les convaincre, puis qu'au terme du dialogue, on va arriver là à un consensus, et idéalement un consensus qui rejoint toutes mes positions à moi. Là. Et l'idée qu'on va quitter une discussion, et que ça aurait été une discussion satisfaisante, même si le résultat auquel on en sera arrivé sera un résultat avec lequel on peut tous les deux vivre, plutôt qu'un résultat avec lequel on sent là qu'on a été là... On a fait une démonstration, il y en a qui a gagné, on a fait une démonstration cartésienne de notre position. Puis ça, c'est comme le bread and butter, là, des politiciens dans une démocratie quand ils font bien leur job, c'est d'arriver à des solutions à des problèmes de société où on sait d'avance que les gens ne vont pas s'entendre, mais où on espère qu'on va en arriver à des solutions avec lesquelles les gens peuvent vivre. Puis ça, c'est très difficile. C'est peut-être plus difficile pour les philosophes que pour d'autres, mais c'est une limite qu'on devrait chercher. Il y a des limites qu'on ne devrait pas chercher à transcender, comme par exemple le fait que la science nous dise telle chose, ben voilà. Mais il y a des limites qu'on devrait chercher à transcender, et ça, l'idée qu'une bonne discussion peut donner lieu à un compromis plutôt qu'à un consensus, ça me semble un point difficile à accepter, mais essentiel. Puis je voudrais même qu'au niveau micro, ça s'applique, ce que vous venez de dire. Tout à fait. On va y aller avec une première question. Bien, en fait, c'est pas vraiment une question. Je vous dirais que c'est plus un constat pour travailler à la fois dans le micro, avoir la chance de travailler avec Marie-Ève, et à la fois un peu peut-être dans le macro au niveau gestion. Ce que j'entends, c'est que on n'annonce pas le dialogue. Ce qu'on fait avec Marie-Ève, par contre, de dire, ben voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va dialoguer. Alors, le médecin rentre puis annonce son diagnostic, son plan de traitement. Avez-vous des questions? Alors que si on annonce qu'on va en discuter, je trouve, et ce qu'on fait encore une fois, de dire, voilà, on crée un espace, l'objectif, c'est d'en parler. Voici mon point de vue, je vais entendre le vôtre. C'est un peu en amont, mais je trouve ça important de le camper. Voilà. Est-ce qu'on a des réactions? On a une deuxième question qu'on va prendre tantôt. On va voir si on peut en prendre plus avant de... Est-ce qu'on a des réactions? Sinon, on va passer à la deuxième question. Ah, c'est en arrière, juste là. Merci.
Bonjour. Je reviens un peu en arrière, mais en même temps, je réagis à ce qui était déjà dit, parce que je trouve que ce n'est pas assez de juste dire « Ah, il n'y a pas de patiente ici ». Parce que je comprends, j'apprécie beaucoup que tu es « out » comme patient. Ça, c'est super, mais tu es ici en tant que pharmacien, en tant qu'expert. Donc, même si on peut tous arriver avec notre propre expérience, le fait qu'on fait un dialogue, une conférence sur le dialogue sans les personnes qui sont principalement concernées, tout le système de santé est fait pour ces personnes, les patients, les patientes. Donc, ma question est vraiment comment est-ce qu'on peut... Je vais aussi dire une chose parce que je trouve que c'est important. Une personne de 19 ans peut avoir beaucoup d'expérience. Donc, moi, quand j'avais 19 ans, j'ai déjà passé des mois, sinon des années dans les hôpitaux. Donc, une enfant, une ado de 15 ans, peut passer une moitié de son enfance dans un hôpital. Donc, on ne peut pas regarder la personne et penser que la personne n'a rien à dire, que la personne n'est pas un expert de son corps. Donc, dans ce contexte où ici, il y a un manque d'un patient, comment est-ce qu'on peut vraiment et concrètement faire en sorte qu'on pense à chaque patient et patiente comme un expert dans leur corps et dans leur maladie? Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque ici. Voilà. Peut-être que c'est le quatrième éléphant. On est aussi là aussi comme membre du public aussi pour poser nos questions. Donc, je pense qu'il y a toujours des limites, mais on est ouvert au dialogue, à la discussion. Donc, est-ce qu'il y a des réactions? Mais moi, je suis tellement d'accord. Puis j'ai eu l'occasion de collaborer des fois avec des patients qui militent dans une cause en particulier puis qui connaissent ça infiniment mieux que moi, honnêtement. Tu sais, comme une patiente avec qui j'ai travaillé qui milite pour des traitements supportés scientifiquement pour le cancer. J'ai appris énormément d'elle. Donc, voilà, moi, je suis mal à l'aise qu'il n'y ait pas un patient ici. C'est vrai, tout à fait d'accord. C'est tout ce que j'avais. Ouais, ben, en même temps, un patient, ça ne serait pas assez. Non, il me semble que ça serait lourd à porter. Ça serait une anecdote, là, mais je veux dire quand même. On est tous des patients. Oui, bien, c'est ça que j'ai envie de dire. Moi, avant d'être éthicienne clinique, j'avais une autre carrière. J'étais la sœur d'un grand prématuré, puis... Ma carrière de sœur de grand prématuré avec des grandes questions éthiques dans la famille m'a valu le nom par mon chum de l'obélix de l'éthique. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Alors, je ne sais pas, je suis arrivée probablement en éthique à cause de ce savoir expérientiel. Puis bon, des situations où on décide de cesser des traitements, je l'ai vécu avec ma famille comme sœur de mon frère qui vient de décéder au mois de février. Je l'ai vécu avec des familles avec qui on en est venu que c'était probablement la même chose, la meilleure chose pour le patient. Je l'ai vécu d'un peu tous les côtés, donc je me sens pas, quand on dit qu'il n'y a pas de patient dans la salle, je me dis, ben... sur le panel. Ben là, disons que je compte pour la moitié d'un. Je vais nous inviter à progresser. Je sais qu'il y a d'autres questions. On pourra peut-être continuer les échanges après, mais l'heure s'en vient, la fin de l'heure. Puis je ne voudrais pas qu'on termine sans se poser la question de savoir, bien, est-ce qu'on peut faire une plus grande place au dialogue? Est-ce qu'il y a des moyens à privilégier? Est-ce qu'il y a une culture du dialogue à développer au niveau micro, macro, au niveau clinique, au niveau politique? Et je vais peut-être nous demander de répondre rapidement aux panélistes. Oui? Moi, je réponds au niveau plus nano, hein, on l'a déjà dit, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'approche un peu top-down à la santé qu'on a, là, donc je suis l'expert, je donne l'information. Pour moi, ça s'est révolu, cette époque-là, ça ne marche pas. L'approche patient-partenaire, on en a parlé un petit peu tantôt, là, à gauche puis à droite, mais... c'est tellement important de faire en sorte que la personne prenne un rôle actif dans les décisions cliniques. Puis ça, là, je m'excuse, là, mais c'est pas difficile à implémenter. C'est vraiment pas difficile. Par contre, il y a beaucoup de résistance chez les professionnels de la santé à implémenter ça parce que c'est inconfortable. On est résistant au changement, mais ça ne demande pas des gros changements d'avoir une conversation, de poser des questions super simples. Moi, j'en donne des trucs, là, je leur dis, demandez aux gens, c'est-tu important pour vous qu'on fasse ça en ce moment? Le monde, là, il me regarde comme un chevreuil sur l'autoroute.
Ils se sont jamais fait demander ça. Est-ce que c'est important pour vous qu'on vous donne ce traitement-là? Puis des fois, ils me répondent non. Mais là, on est dans une crise de bonne conversation, là, tu sais. Fait que moi, j'y crois à ça. Je pense que ça prend... Puis quand tu es dans un processus comme ça, bien, le reste vient avec. Tu n'as pas le choix d'avoir de l'écoute. Tu as de l'empathie parce que tu te mets à la place de l'autre personne. Tu es obligé de reconnaître certaines choses, de reconnaître tes limites, les endroits où tu as peut-être des angles morts. Il faut que ça fasse partie de la formation. On a besoin de nouveaux modèles de communication pour les professionnels de la santé. Moi, c'est ce que je peux dire à mon niveau, là. Marie-Ève? On n'a pas parlé du niveau méso. Le niveau, on va dire, des dirigeants d'une organisation, tant qu'à parler des niveaux. Même, je dirais, macro, pour que ce dialogue-là soit possible, la culture organisationnelle, la culture du système est fort importante. Donc, on vient de terminer une ère dont je tairai le nom de la personne qui était en charge de ce ministère, une ère où on pouvait très peu parler. Alors là, maintenant, je pense qu'on est dans une ère un peu plus d'ouverture. Ça se voit aussi dans les dirigeants, on va dire au niveau maison, au niveau des organisations. Puis je pense que ça se répercute jusqu'au micro et au nano. Puis ça fait du bien. Bien, moi, je dirais qu'il faut aller au-delà de simplement créer une culture. Faut créer des mécanismes. Qui sont des mécanismes que les gens ont envie de, dans lesquels les gens ont envie de participer. Donc, disons, d'institutionnaliser le dialogue. Mais il y a une condition de, au niveau qui m'intéresse, moi, qui m'a intéressé dans ma carrière, qui est plus un peu macro, c'est que les gens ont l'impression que le dialogue dans lequel ils vont se livrer, auquel ils vont se livrer risque d'avoir un impact sur ce qui va se passer. Hein? Je me rappelle une phrase qui m'est restée, là, moi aussi je tairai le nom de la personne qui me l'a dite. Là, la première fois que j'ai été appelé à siéger sur un truc consultatif, on m'a dit, tu sais, au Québec, Daniel, on consulte et on décide, mais pas nécessairement dans cet ordre. Et ça m'avait glacé le sang, je me rappelle à l'époque, parce que tu es en train de me dire que je vais passer 6 mois de ma vie maintenant dans ce truc consultatif pour faire de la figuration. Et bon, c'est sûr que si les gens ont l'impression que la consultation citoyenne est simplement une sorte de vitrine pour donner l'impression, pour rationaliser des décisions qui ont été prises de toute façon, bien, la motivation pour participer n'est pas très élevée. Et je pense qu'il faut faire faut prendre le risque, il faut que, disons, de dire, il y a des décisions, puis je reviens à ce que j'ai dit au tout début pour boucler la boucle, où il y a des choix qui doivent être faits, on ne peut pas tout s'acheter. Hein? On ne peut pas tout s'acheter dans un système de santé. Fait que c'est quoi les choix qu'on va faire pour nos investissements limités dans le domaine de la santé? Puis, il y a des questions comme, encore une fois, celle de la mort médicamentisée, mais il y en a d'autres, où on ne va pas s'entendre. Il y a des gens qui ont des engagements de valeur incompatibles, mais il faut quand même qu'on s'entende sur quelque chose. Il n'y a pas une expertise scientifique qui va régler nos différends entre personnes qui ne s'entendent pas sur cette question-là. Fait qu'il faut lancer le risque de dire non seulement vous allez consulter, mais vos consultations vont peser dans la balance de ce que décidera le décideur. Bien là, je pense que si on réussissait à institutionnaliser ça, autour des deux familles de questions que j'ai identifiées, on aurait fait des grands pas. Michel? J'aimerais juste dire que si on décide avant de consulter, on risque d'avoir des problèmes après. Parce qu'il n'y a pas de buy-in. Mon expérience, il n'y a pas de buy-in. Ça va faire du trouble. La population va dire, vous n'avez pas consulté, etc., etc. Moi, je pense que si on va trop vite au début, ça va se rallonger à la fin. Oui. Ça va faire un débat interminable, comme plusieurs de ceux qu'on a connus dernières années. Et pourtant, on a toujours le réflexe de... Mais en plus, ce qui est important aussi, c'est... c'est vrai qu'on ne peut pas consulter sur tout, mais... Je parle de mon expérience. Quand on dit aux gens, on vient vous informer, ce bout-là, on va le faire, OK? Et là, cette partie-là, on peut modifier la mise en œuvre, on peut faire ça. C'est important au point de départ d'être clair. On peut même dire, là, moi, je vais vous consulter, mais je ne suis pas sûr que mon ministre, il va écouter ce que vous dites, mais je veux quand même vous consulter pour savoir ce que vous avez à dire. Ça, les gens, ils sont capables de vivre avec ça. T'sais, le monde n'est pas... j'avais lu un article récemment, The Public is not stupid. Le monde est capable de comprendre si on lui explique où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on va faire. L'autre chose qui est souvent déficiente, c'est l'évaluation. On évalue souvent, à la fin, tout le monde était-tu content, le café était-il le bon, mais il faut évaluer jusqu'à quel point ce qui a été dit va être utilisé. Il faut que les gens soient capables d'avoir un feedback sur ce qu'ils ont dit.
Et cette partie d'évaluation, souvent dans la littérature, on constate qu'elle est faible. Alors, ça, c'est un point à travailler aussi. C'est le temps de conclure, déjà. Ça a passé très rapidement parce qu'on a juste ouvert un dialogue, on ne l'a pas clos, clairement. On va remercier nos panélistes, je pense, avant qu'ils nous quittent. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait réfléchir. Merci pour toutes les questions aussi. C'est sûr qu'on aurait pu continuer. Mais la bonne chose, c'est qu'on continue, en fait. On a une série de conférences. Puis on vous invite à vous joindre à nous, ou bien en personne, ou bien en simultané. On a notamment, cet automne, on a Claude Castonguay, le père de l'assurance maladie, qui vient le 17 octobre discuter des orientations de notre système de santé, justement, qui est confronté à ses limites, d'une certaine manière. Puis on a Hubert Doucette aussi, bioéthicien, qui va venir cet automne. Puis on a d'autres conférences qui s'en viennent en 2020, notamment un échange entre deux anciens ministres, Michel Clair, Jean Rochon, sur justement l'état et l'avenir de notre système de santé, le dialogue nécessaire sur son avenir. On a un d'entre eux avec nous aujourd'hui, on est honoré. Je remercie les affaires académiques, les communications de l'IRCM pour leur soutien. Et si jamais ça vous intéresse, je vais pour vous mentionner qu'on a un nouveau magazine en éthique de la santé qu'on publie à l'IRCM. Ça s'appelle « Remue-ménage, brainstorm ». Il y a quelques copies papier, mais c'est un magazine en ligne qui vise à favoriser le dialogue, justement, sur des questions d'éthique de la santé. Si ça vous intéresse, on pourra vous fournir les informations. Sinon, on vous remercie, on remercie les panélistes encore une fois. C'était super, c'était intéressant, c'était stimulant. Puis ça nous donne beaucoup de choses auxquelles on doit réfléchir aussi. Donc, merci beaucoup. Merci.